Lemieux. Ouais. Moi, j'aime juste ce chevreuil Lemieux. Là, c'est quoi la différence? C'est quoi? C'est mieux chasser l'orignal, je sais pas. C'est quoi? Elle explique quoi? C'est ça. Là? Donné, parce que là, il disait qu'on respecte pas l'environnement de l'ours. Mais sans vouloir partir une guerre de clochers, c'est un peu comme Jean-Pierre disait tantôt. Il y en avait qui prenaient le permis à l'automne pour continuer à chasser l'orignal, mais il y avait aussi ceux qui voulaient abattre des autres simplement parce que dans le temps, ils ont mangé des veaux orignales. Ouais. Puis je pense que tout le monde ici, on a tout attendu des histoires de gens qu'on connaît qui ont tiré des eaux puis qu'ils ont resté drettes là sans avoir de permis. Ouais. Sans récupérer la viande, puis la peau, puis rien. Juste en se disant que c'est pour protéger mon cheptel d'orignaux. C'est ça. C'est, puis là, j'ai un dernier sujet qui peut être un peu touché pour certaines personnes. Et puis, je ne suis pas contre le trapage, loin de là. Mais je vous dirais que j'en ai un petit peu pour le trapage de l'ours. Ça, puis Jean-Pierre est arrivé avec une bonne comparaison tantôt aussi. Mais, tu sais, le fameux trapage de l'ours où ce que tu ne sais pas ce que tu vas attraper, là. Mm-hmm. Tu ne sais pas que c'est une femelle, c'est un mâle. Des bébés. T'sais, des bébés, on ne sait pas, là. Puis moi, ce que, OK, au printemps, puis là, whoop, à l'automne aussi, on a le fameux trapage. Et puis là, ben, le trois quarts, on sait que l'ours a faim à l'automne. Ah, ben, il a faim au printemps aussi. Il fait ses réserves de graisse. Il fait ses réserves de graisse. Puis là, ben, c'est plus facile de le trapper à l'automne encore. Plus de chances d'aller chercher la fameuse femelle. Moi, ça me tanne un peu parce qu'on n'en tue pas de femelle, là. Puis là, ben, tu ne tues pas un ours, là. Tant que tu tues trois, quatre. Ouais. Ça, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une. Moi ça me taquine. Personnellement, je dirais qu'il y a des bons trappeurs, il y a des mauvais trappeurs, comme il y a des bons chasseurs, des mauvais chasseurs. Souvent, celui qui va trapper l'ours, en tout cas, dans mon environnement, mais dans les personnes que je connais, là, c'est toujours des chasseurs à l'ours. Fait que souvent, ils vont emporter sur les territoires où ils vont chasser l'ours, soit à l'arc, à la carabine ou à l'arbolette. Fait qu'ils savent c'est quoi les gibiers qu'il y a là. Fait que s'ils vont poser des pièges, s'il y a deux ou trois femelles avec des petits, mais je veux dire, tu l'as là, ça peut être ça que tu veux. Puis si c'est un trappeur consciencieux, tu sais, il ne mettra pas son piège à pattes à deux pieds de terre, là, à trois pieds de terre pour essayer de peut-être pogner un bébé. S'il fait sa job comme il faut, il va essayer d'éliminer le plus de chances possible d'atteindre au moins un petit. Ouais. C'est sûr que là, entre femelle et mâle, là, c'est quasiment impensable de pouvoir sélectionner ça versus un autre. Mais ça revient à dire qu'il y a des bons trappeurs, il y a des mauvais trappeurs. Ouais. Tout comme il y a des bons chasseurs ou des mauvais chasseurs, ou des bons conducteurs, des mauvais conducteurs. C'est des choses qu'on vit et qu'on dit à l'année longue. Mais moi, c'est drôle, ça serait peut-être une chose que j'ai vu que c'est un animal. T'as pas de contrôle à réserver la femelle ou de tuer une famille complète. Mm-hmm. Moi, j'éliminerais. Tu sais, je sais que t'avais fait une comparaison avec le renard et tout ça, c'est la même chose aussi. Par contre, l'ours, c'est un animal qu'on va bouffer. C'est ça qu'on dit. C'est un gros gibier. Mm-hmm. Tu sais, on va pas. Comment je te dirais ça? Je veux pas qu'on. Comme tu disais, Marc, partir d'une guerre de clochers là-dessus. Mm-hmm. Mais par contre, peut-être à l'automne. Rendu à l'automne, au moins, de pas avoir le trapage. Parce que là, on est rendu trop proche de l'hiver, trop proche de l'hibernation. On n'a pas le droit même de le chasser, nous autres, à l'automne. On n'a pas encore, en tout cas. Fait que là. Si on ne peut pas le chasser à l'automne, pourquoi est-ce qu'on pourrait le trapper à l'automne? Le bémol de ça, c'est souvent que les trappeurs, mettons la fourrure, elle va être plus. Plus belle? Oui, c'est ça. Oui, mais avec les marchés des fourrures qu'on a aujourd'hui, là, on a une belle fourrure ici. Tu sais, d'ours. Tu sais, elle est belle la fourrure, mais malheureusement, c'est plus ce que c'était, là, même 30 ans. Où la fourrure aurait peut-être valu 150-200, aujourd'hui on en vaut 25-50. Tu sais, même si elle est bien belle, que ce soit une fourrure d'automne ou de printemps, ils vont peut-être aller chercher 75-100 de même, puis encore, je pense. Pour rien qu'il y a de moins en moins de trappeurs. Exactement. C'est une brasse. Oh oui, c'est du travail énorme. Surtout si après ça, ben. T'en retires moins cher que ce que tu aurais eu il y a 20 ans. C'est ça. Mais c'est la même ouvrage. Même ouvrage. Oui.
Ah oui, puis même peut-être plus aujourd'hui parce qu'il y a plus de réglementation. Ça, c'est une bonne chose. Mais moi, je sais pas. Ce serait comme l'espèce que je retirerais au moins l'automne. Bon, tant qu'à moi, je le retirerais tout le temps. Moi, je retirerais le printemps comme l'automne. Mais au moins l'automne. Un minimum. Et puis peut-être de donner la chance. Si on veut le traper, parfait, donner la chance aussi aux chasseurs de le chasser. Tu sais, pour que ça soit équitable là, entre les deux. Puis encore là, tu sais, je veux pas que les trappeurs partent en guerre, là. Tu sais, puis s'il y en a qui ne comprennent pas, bien, allez réécouter les émissions. Mais c'est ça, tu sais, je voudrais qu'on comprenne bien, on n'en a pas contre les trappeurs. Mais, tu sais, moi, si on le prend juste pour la fourrure, c'est un animal qui vaut plus que ça. Puis dans mon livre à moi, c'est un gaspillage. C'est parce que la viande, trois quarts du temps, pas consommée. On a le droit de s'en défaire sans la consommer. C'est ça. C'est sûr, comme Martine le disait tantôt, si on en prend un, que la viande n'est pas comestible, c'est tout à fait d'accord, ça se voit dans n'importe quel gibier, c'est pas bon. Sauf que si l'animal a été récupéré à temps, puis on a fait ce qu'il fallait pour conserver la venaison, mettons, là, on ne devrait pas avoir le droit là, de se débarrasser de ça. Non, autant qu'on ne peut pas le faire chez dans un chevreuil, un orignal, c'est un gibier qu'on va chasser, caribou, on ne pourrait pas faire ça non plus. Là, ça devrait être pareil pour l'autre. Surtout aujourd'hui qu'il y a des organismes, comme Jean-Pierre disait tantôt. Oui, là, oui. On peut ça, j'ai des bœufs et là. Oui, absolument. Oui, puis c'est une chose qui devrait... C'est sûr qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui se font avec la FDCP, hein, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, les organismes locaux aussi, les bouchers, surtout que ça ne coûte rien. Tu sais, tu prends ton ours, tu l'envoies là. Tu le donnes. Tu sais, il n'y a aucun débouché. La gestion de la faune, ça n'en prend. Comme on disait, l'être humain, on prend de plus en plus de territoire des gibiers. Fait que ces gibiers-là, à un moment donné, s'il y en a trop, c'est les maladies qui vont se propager. Absolument. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut faire une gestion de la faune. Oui. Sauf qu'il faut que ça soit bien fait et pas gaspillé. C'est ça. C'est le gaspillage qui est. Souvent, cette gestion-là, les règlements, les choses comme ça, ça part de pas des anti-chasseurs, ça part des chasseurs. Exactement. Qui s'aperçoivent que des fois, c'est la qualité de chasse baisse autant que la qualité de la pêche baisse. C'est nous autres les premiers. Mais c'est nous autres qui en parlent dans les tables de concertation pour s'imposer des règlements pour permettre à nous autres d'avoir une meilleure qualité. Puis aux générations futures. C'est ça. Puis ça, là-dessus, bon, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de biologistes après l'étape de concertation qui vont bien souvent aller changer un petit peu de réglementation, tout ça, mais on a une voix, puis ça demeure que la meilleure personne à consulter, bien, c'est le chasseur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pléonasme quand on dit qu'on aime les animaux. On dit, ben non, ça ne marche pas, vous êtes chasseur, vous n'aimez pas les animaux. C'est ça, c'est qu'il y a encore là un manque de connaissance, quelque chose qui n'est pas compris, c'est ça, comme si tu disais, c'est un fermier qui n'aime pas ses vaches, ou bien, c'est ça, c'est absolument ça, tu sais, ben ouais, un tiers enlève tout son lait, c'est ça, tu sais, mais sa vache est là, tu sais, c'est une bonne gestion, c'est ça. Oui, puis j'entendais dans un autre podcast, je suis amateur de podcast, là. Justement, The Hunting Collective, Ben O'Brien, discutait justement avec une personne qui est végétarienne ou végétalienne, peu importe. Et puis là, on voit la grosse vague du Beyond Meat et tout ça. Et puis, il a posé la question simplement à la personne, il disait, écoutez, si vous êtes tellement contre la viande, pourquoi est-ce que vous essayez tellement de la reproduire? Ouais. Tu sais, dans le fond, pourquoi est-ce que tu essaies tellement fort de reproduire ça? C'est de quoi que tu es contre? Parce que tu veux sauver les animaux. C'est pas ça, c'est aller chercher la part. C'est aller chercher la part. Oui, exactement. Exactement. Puis c'est ça, nous, tu sais, on l'a vu cette année, regardez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a deux ours. Deux ours sur 6. L'année passée, moi, je n'ai pas récolté. Non, j'ai pas passé. Moi, j'ai dit. 1 sur 6. Mais ça, t'as encore ça dans n'importe quelle chasse. Là, souvent, parle à un chasseur d'orignal là, qui va dire ça fait 2 ans qu'on n'a pas frappé, il n'y a plus d'orignal dans notre coin.
parle de chasse avec un peu. Encore son historique, souvent, c'est des gars qui sont 6 ou sont 8. Ouais. Puis normalement, ils tuent de 2, 3 à 4 orignaux, dépendant des permis. C'est ça. C'est eux autres mêmes qui abaissent le cheptel. C'est ça, ils font pas une bonne gestion. Ça, ben, ils mettent ça sur le dos des loups, sur le dos des ours. C'est le dos, tout le monde, mais à part le leur. Nous autres, vos femelles, on tire jamais. Non, c'est ça. Mais nous autres, c'est la même chose. Si tu vas regarder un petit ours, tu ne tireras pas. C'est la relève, là. C'est demain, ça. Parce que c'est plus, ça prend deux permis pour récolter un orignal. C'est pas parce qu'on est 6 chasseurs. Ça prend 3 permis. Tu as le droit de trois, là. On est une équipe de 3, puis on ne prend pas juste deux permis. Les 3 prennent deux permis, puis on récolte un gibier. Notre but, c'est d'essayer d'en récolter un. Exact. C'est ça. C'est l'essence même du chasseur, tu sais. C'est sûr qu'on a eu une génération qui est un peu plus vieille comme moi encore. Mais oui, eux, il y avait de l'abondance, ça a été mal géré. Mm-hmm. Parce que là, c'était rendu que ça tuait 2 ou 3 agneaux par hiver. Ben, il était longtemps que ça a été un orignal par permis. J'ai connu ça. Et puis, là, en plus, c'est que avec le temps, on a enlevé des agents de protection de la faune. Ouais. On avait moins de budget, on avait moins ci, moins ça. Et puis, on entend passer encore de temps en temps. Ben, si on fait juste regarder le gallbladder de l'ours, là, c'est le. C'est quoi le fiel. Le fiel, là, ouais. Qui est interdit. Tu sais, s'il y a des. La vésicule biliaire. La vésicule biliaire, dire qu'il y a des gens qui abattaient juste pour ça. Pour ça. Oui, puis c'était une des raisons, quand ils ont réduit pour le trapage à 3 ours par année, 3 ours par saison, pas par année, c'est justement pour ça, parce qu'il était rendu que ça valait plus cher juste vendre la vésicule biliaire, puis on s'entend que c'était beaucoup pas de trouble. Hein? Ben non, c'est fait ça. Qu'il y avait des trappeurs qui pouvaient attraper 20-30 ours pour juste juste le fiel, puis ils pouvaient laisser tout le reste en forêt. Fait que c'était mais c'est des chasseurs qui se sont qui en ont parlé de ça, parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la qualité de la chasse n'était plus la même. Fait que là, on a réglementé, les chasseurs ont réglementé ça pour ça. Puis là, ben, on s'aperçoit que là, il y a peut-être il y a plus d'ours apparents proches des villes. Tout. Fait que là, on cherche des solutions. On était supposé avoir un nouveau plan de gestion. Ça a été repoussé d'un an. Parce qu'il étudie. Vaut mieux sortir un nouveau plan de gestion un an plus tard, mais de bien le faire, plutôt que de le sortir à la hâte et que ça soit bâclé. Puis là, on est pris 5 ans avec un plan de gestion qui n'est pas adéquat, mettons. Oui, ça c'est déjà arrivé. Je ne dis pas que ça n'arrivera plus, c'est sûr et certain. Surtout quand on. Tu sais, que des fois, un changement de gouvernement fait du bien. D'autres fois, on a. Tu sais, parce que les gouvernements ne sont pas tous axés de la même façon, ne sont pas tous orientés de la même façon. Si on a un gouvernement qui est orienté plus sur l'économie, plus sur le pécunier, bien, ça ne sera pas un ami des chasseurs. Parce que, pas nécessairement qu'il va travailler contre, mais il ne travaillera pas pour non plus. Ça va être statu quo. Au forçail, là, tu sais, il va falloir qu'il y ait de la poussée, mais on le voit avec les armes. Son écoute et son dynamisme. Exactement, parce que leur priorité n'est pas placée là. C'est pas parce que c'est un mauvais gouvernement, mais c'est parce que c'est un gouvernement qu'il faut pousser un peu plus. Puis je pense que les gens comprennent très bien là, où on est placé présentement. On est un peu dans cet état-là, où ce que tout est pas mal plus tabletté que d'autres choses. Mais ça, il y a des fois aussi que il y a des consultations publiques. Ouais. Je pense que c'est plus pour se donner bonne conscience. Ouais. Le plan de gestion, il est déjà établi, puis ce qu'ils veulent faire. Oui, exact. Oui, il y en a qui sont. Oh oui, bon, on a vécu ça dans le passé. C'est la personne la plus adéquate à donner des idées et des solutions pour préserver la forêt. Oui. Parce que c'est la personne qui est là, qui est dans le bois, les deux pieds dans le bois. Hein. Mais il y a aussi que quand il y a des journées de concertation comme ça, ben des fois, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Exact. Ouais. Fait qu'à un moment donné aussi, on a une voix, mais il faut l'utiliser aussi. Tu as complètement raison. Exact. Puis on le voit même dans les associations locales. Tu as 2500 membres. Tu fais une assemblée générale, il y en a 32. Ouais. Ouais,
Oui. Puis tu sais, puis là, les gens vont dire, ben là, je comprends pas que l'association a pris telle décision. Ceux qui sont pas satisfaits, c'est ceux qui participent pas à ces réunions-là. Viens t'asseoir avec la gang, puis j'ose dire. Oui, puis tu peux prendre un poste. Oui, exactement. Tu peux prendre un poste pour mettre tes idées. Oui, absolument. Ça, c'est très important d'ailleurs. Parce que finalement, c'est comme ça. Parce qu'on le sait, on ne se cache pas, en Abitibi, l'association locale ici de Rouyn-Noranda est une des grosses associations. Mais on ne se sert pas de notre voix. On ne s'en sert pas parce que finalement, les gens sont là pour des parties, les gens sont là pour le site de tir, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'impliquent. Les gens qui s'impliquent viennent à un moment donné, qui se brûlent, puis qui quittent. Mais là, on est rendu loin de notre chasse à l'ours. On va retourner un peu à chasse à l'ours. On va terminer avec ça. Il y a depuis, je vous dirais, 4 à 5 ans, là, une résurgence au niveau de la chasse à l'ours. Vous l'imputeriez à quoi, ce nouveau mouvement-là là, de « wow, c'est in » de chasser l'ours? Ben moi, j'ai vu, en tout cas, je travaille dans un commerce de pour nature. Puis je pense qu'on a, quand ils ont enlevé l'ours l'automne, je pense qu'on a eu une baisse. Là. Il y a eu une baisse. Il y a eu une grosse baisse aussi dans les archers. Jean-Pierre est un archer, mais tout, Martine, ça fait longtemps qu'on sait de l'arc. Ouais, on sait qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une grosse baisse dans côté ouais, archerie. Ça, c'est un fait. Puis depuis quelques années, ça s'est remis à remonter. Ouais. Puis en tant qu'archer, je pense que c'est une des premières chasses qu'on fait, la chasse à l'ours. Fait que, ça, je pense que ça a donné un bon whip, mettons, pour inciter les gens à faire de la chasse à l'ours. Il y a aussi, j'ai l'impression que, tu sais, un peu le changement de génération aussi. Mm-hmm. Tu sais, les générations, je chassais beaucoup l'orignal. Oui, puis, là, à un moment donné, ces personnes-là ont vieilli. Les nouveaux, ils ont commencé, mais là, c'est le rythme effréné des années 2000. Ouais. Puis là, maintenant, on retombe un peu aux sources que là, nous autres, nos parents chassaient. Puis là, on voudrait un peu faire ce qu'on a fait que nos parents faisaient avec nos enfants. Puis là, on amène nos enfants à tirer de l'arc. Puis la chasse, la première chasse, souvent, c'est l'ours parce que c'est moins loin comme distance. C'est plus ça. Plaisant parce que l'enfant voit du gibier. Fait que, tu sais, souvent, ça serait bien plus simple de prendre l'iPod, puis le cellulaire, puis commencer à jaser. Parce que là, il y a de l'action. Fait que là, ça donne la piqûre, tu sais. Oui, il y a ça. Fait que là, il y a un petit... Puis il y a le fait aussi qu'on sort de l'hiver. Hein? Oui. C'est la première fois. À part le dindon, après le dindon, la grosse chasse, c'est l'ours. Mm-hmm. Et puis on le faisait pas. Tu sais, il était longtemps où, non. Tu faisais le dindon, après ça, tu t'en allais pêcher. On s'en allait à la pêche. Là, on fait le dindon. Oups, là, on commence. Il y a de plus en plus de gens. Puis on va espérer qu'en ayant une année comme on a eu cette année, ça n'a pas découragé trop. Là. Mais moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a même des chroniqueurs chez Simplement Plein Air. Première fois qu'il y a la russe. Puis ils ont adoré ça. Ils ont aimé ça. Fait que c'est plaisant. Là. Puis on va espérer, du moins, que ce résurgence-là, justement, vienne des nouveaux adeptes à l'arc. À l'arbalète, Nancy chasse à l'arbalète, vous autres, vous chassez à l'arc traditionnel, l'arc à poulie, tu sais, c'est de l'arc, là. Ce qui est fun, c'est qu'on a une saison de un mois et demi. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est le fun, tu sais. On va remarquer une chose, au commencement, on a bien le temps. Quand c'est à la fin, les maringouins sont sortis. Oui, les maringouins sont sortis. La saison s'en vient. Wow, tu commences à apporter, il y a de la neige juste au milieu des égouts. Cette année, ça a été un peu ça. Ça a été spécial. La première fois qu'on est allé à Ponté, il y avait des bandes neige encore là. On passait là-dedans. Mais les bébés, c'est à peu près le seul côté négatif qu'il y a de la chasse à l'ours. Sauf qu'aujourd'hui, on a tellement des bons produits, on a des machines qu'on ne peut pas dire « je n'irai pas à l'ours parce qu'il y a trop de bébites ». Non, on a fait le test là, dans la durée. Moi, je l'ai fait le premier à être pas sceptique, mais j'étais dans ma tête, tirer un ours trophée, ça ne se faisait pas avec du thermacell parce que c'est sûr qu'il va te sentir. Il va te sentir. Tout ça, puis après m'avoir fait traiter de tous les noms, de fou un peu peut-être, ben, j'ai commencé à utiliser ça, ce produit-là, puis finalement... ça dérange pas, tu sais. Moi, tous les gros que j'ai tués, si j'en ai comme 3-4 dans mon actif, là, puis c'est tout le thermacell. Tout avec le thermacell. Puis souvent, ils viennent me sentir dans le blême,
puis on la vapeur dans le nez. Ben, oh ouais. C'est comme n'importe quoi. Si c'est introduit au début de la saison, exactement. Ils viennent que, ouais. Ils associent quasiment ça avec la nourriture. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que c'est une senteur qui, pour eux autres, devient familière. Exactement. Puis, tu sais, peut-être qu'ils vont être plus craintifs en premier, mais à un moment donné, ils voient qu'il n'y a pas de danger. Mm-hmm. C'est tantôt dont on parlait quand on débutait les appos qui avaient beaucoup de neige. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à chasser l'ours, on était vraiment de bonheur dans le bois. Je suis allé souvent dans le bois mettre des appos là, avec de la neige quasiment jusqu'au genou. Ouais. Parce qu'on avait le droit. La date n'était pas limitée. C'était le premier. Dans ce temps-là, les thermacelles n'existaient pas. On chassait avec du mouscol. Puis on sait que du mouscol, ça sentait. Sauf qu'à chaque fois qu'on allait emporter, on commençait la neige au genou, on mettait du mouscol dans le stand. Pas sur le bateau, on mettait dans le stand pour que le gibier associe cette odeur-là qui venait de cet endroit-là. Puis on a fait des belles chasses, on a tué des ours au-dessus de 300 livres, puis ça n'a pas causé de problème. C'est ça, puis c'est qu'est-ce qui est important aussi, comme je l'ai mentionné, bon, on le sait tous, quand on va à pâter, bien, on y va avec les personnes avec lesquelles on chasse. Ouais, comme souvent, moi, comme avec Nancy, on va y aller. Bien, avec Martine, on y allait tous les trois. Les ours s'habituent à ça. Mm-hmm. Parce qu'on sait que l'ours, au niveau olfactif, c'est sa force. Avec l'orignal, là, moi, tu sais, c'est probablement pas mal. Même, je dirais, ça doit dépasser, même, il faudrait. Nous, on voyait la différence parce qu'on allait à Pâté. C'est spécial. Puis, on a des Américains qui sont venus chez nous, puis eux autres, ben, ils venaient pas à Pâté avec nous autres, le reste de la saison. Puis, le soir où ce qu'on les amenait, les ours sont plus craintifs. C'est ça. Il y a une odeur différente. C'est différent, là. C'est wow, il y a de quoi qui se passe. Ouais. C'est pas pareil. Mais c'est le fun. Bon, vous dire, c'est une belle chasse. Puis là-dessus, ben moi, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous êtes prêtés à l'exercice. Ça a été super le fun. Et puis, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, naturellement, bon, ben si vous nous voyez, c'est le fun. Si vous nous écoutez, c'est encore aussi le fun. C'est des balados spéciales. On a de plus en plus chez Simplement Plein Air. On va en faire de plus en plus. Parce que, finalement, on a du fun. On va en faire une en bateau avec Marc aussi, là, bientôt. Là. Et puis, on va se poutre d'aller pêcher, nous autres, à un moment donné. Oui, oui. ça va être un été assez occupé. Et puis, il y en a une qui s'en vient aussi sur la ZEC du Moine. C'est, je devrais plutôt dire la pourvoirie des gîtes du Moine Nature. On a eu de très, très bons temps qu'on a passé, moi, puis Nancy, là-bas. Et puis, la nièce, sa mère, travaille là, en plus. Oui, exactement. C'est spécial. Donc, là-dessus, ben nous autres, on vous le dit un gros salut. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde!